Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 8 de Jackie Chan Adventure. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons résumer d'effectuer les deux épisodes suivants et que nous avons effectué avec succès l'opération Cobra et sa chauffe au stade. Et que nous avons effectué les deux avec succès, c'était très rapide. Mais maintenant, nous allons continuer la partie suivante dans le septième épisode, une nouvelle Atlantis. C'est parti! Avant de pouvoir aller à Fisherman's Wharf, on va devoir vite fait à la salle des ventes. À North Beach, c'est parti! Ok. Dans, salle des ventes. La vente va bien. Vous voulez connaître le règlement des ventes? L'objet du jour nous vient de l'Extrême-Orient. Le lot 101 est un magnifique plat à sushi japonais. Les enchères vont maintenant pouvoir commencer. J'en connais un qui peut, qui veut avoir le plat à sushi. Le vieillard à côté de la dame, en fait. Sur la droite. Décidément, les enchères vont si vite. Je mise le tout. Vite, vite, vite. Vu que ça doit se tenir. C'est bon. La sushi acquise. Maintenant que c'est bon, passons à Fisherman's Wharf. Fisherman's Wharf, c'est parti. Ok, c'est parti. On entre. Entrepôt de la manoir. C'est bon. Ça doit être l'épée dont l'oncle a parlé. Ça doit être ça. Ratso, active la boîte puzzle Panku. Il est temps maintenant de libérer le démon de l'eau. Le démon de l'eau. Des enfers. J'ai rempli ma part du marché. Je n'y peux rien si Jackie Chan se mêle de nos affaires. Je ne m'intéresse ni à toi, ni à Jackie Chan. Je veux une seule chose, retrouver ma cité, l'Atlantide. C'est impossible. L'Atlantide a entièrement disparu. Dans ce cas, je créerai une nouvelle cité sous
sous-marine ici même, à San Francisco. Désolé de vous interrompre, Votre Majesté Amphibie, mais une cité sous-marine doit être sous l'eau, non? J'ai pas raison, les gars? Ouais, c'est vrai, et San Francisco est au-dessus de l'eau. Mais l'énorme raz-de-marée que je vais provoquer va y remédier. Patron, on devrait y aller maintenant. Pas si vite. Pas si vite. Non, encore lui. Balta, occupe-toi de lui. Ah, très bien. Baïtza, démon de l'eau, c'est parti. La seule chose qu'on doit, l'éliminer, c'est d'utiliser des blocs de glace. Il faut la glacer avant de le frapper. Un de moins. Et de deux. Il reste encore un. Wow, doucement toi. Baïtza, démon de l'eau éliminé. Juste à temps. Angle est toujours très ponctuel. Oh, tiens le fougou. Oh, mon baguine by Minzo. Oh, mon baguine by Minzo. Comme le fougou, c'est un poisson aussi, mais malheureusement, il est, pour ma part, un poison mortel. Baïtza, directement aux enfers. Ça va, merci Toru. Je me sens mieux depuis que les démons ont tous été bannis. C'était facile. C'est pas encore fini. Il reste un dernier démon. Oh, Shendu. Il reste encore Shendu à battre. Et c'est pour ça qu'on doit récupérer, on récupère la épée. Et c'est l'épisode 8, le 8e portail. Dernier événement. La section 13 a découvert que Valmont tente d'ouvrir le dernier portail démoniaque à Hong Kong. Je vais voir le capitaine Black tout de suite. J'espère qu'il pourra me trouver un vol. Attends, je n'ai pas fini. Oncle veut que tu ailles à la salle des ventes. Mais mon oncle, on n'a pas le temps. On a toujours le temps. Oncle veut que tu achètes un dragon d'ivoire. Mais mon oncle... Dépêche-toi, on n'a pas le temps. On va au dojo d'abord avant d'aller dans la salle des ventes. J'ai encore le temps, je ne suis qu'à 8 minutes. J'ai le temps de faire la dernière partie. Jackie, tu veux t'exercer? Cette épreuve est encore plus dure que la précédente. Tu dois vaincre les ennemis avant la fin du temps. Je serais impressionné si... C'est parti. Prenons vite ce qu'il faut. Deux d'un coup. Boom. Je suis très impressionné. Tu mérites ceci. Santé maximum. Je demande s'il y a autre chose. Jackie, tu veux t'exercer. Bravo, Jackie. C'est la dernière épreuve. Tu vas devoir mettre en œuvre tout ce que tu as appris. Ok. Dernière épreuve, c'est parti. Thank you.
je mets à chaque fois... En fait, si je loupe à chaque fois les autres épreuves, l'oncle va se souvenir des autres. Excellent! Tu as réussi toutes les épreuves! Jauge de magie augmentée. Une bonne chose de faite. Toutes les épreuves de l'oncle est faite maintenant. On va pouvoir faire la dernière salle des ventes. Et... on est en route pour la section 13 et la dernière épreuve, battre Shendu à Hong Kong. Autant dire, je vais faire vite. Si j'ai le temps de finir entier la fin du jeu. Prenons le dragon d'ivoire. Ici. La vente va bientôt. Vous voulez connaître le règlement de... Le dernier objet de notre catalogue actuel est un dragon d'ivoire. Une pièce extrêmement rare. Cet article taillé à la main a un passé mystérieux. On estime qu'il est vieux de plus de 5000 ans. Les enchères sont ouvertes à partir de maintenant. 390. 442. Où il veut mettre les bouchées doubles, celui-là. Lui aussi, d'ailleurs. Moi aussi. Je mise le tout. Une bonne chose de faite. Je mise le tout pour le dernier. Et voilà. Dragon d'ivoire acquise. Et dernier objet. Je demande si je peux récupérer. Ah mais non, je ne pense pas. Je pensais que je peux avoir le coffre de la salle des ventes, mais non. À mon avis, ça fait partie du décor exprès. Ok, c'est parti pour la section 13. Jackie, content de te voir. La situation est grave. Le danger est plus grand que jamais. Nous avons appris que Valmont essaie d'ouvrir le 8e et dernier portail. Nos recherches indiquent que si jamais il y parvient, le démon Shendu sera libéré. Il reviendra dans notre monde et nous serons incapables de l'arrêter. Shendu, le dragon cracheur de feu? Exactement. Nous devons faire quelque chose. Un avion t'attend au hangar de la section 13. T'emmener à Hong Kong. Il faut donc que tu ailles à la gare. Une fois que tu seras arrivé à Hong Kong, tu devras trouver le dernier portail, qui se trouve à l'entrée principale de Moose World. Moose World? Le parc d'attractions? Exactement. Nos informateurs ont dit que Valmont est sur le point d'arriver là-bas. C'est le moment d'agir. Bonne chance. Le monde compte sur toi. Ça me rassure. Ok, c'est parti. Bonne chance à Hong Kong, Jackie. Je pense que ça sera une partie facile. Et même rapide, évidemment.
Hong Kong, Moon's World. Je vous attendais, Charles. Je voulais que vous soyez aux premières loges pour assister à la fin du monde. Le dernier portail m'a sauvé. Et je vais enfin pouvoir retrouver ma forme véritable de dragon. Je vous en empêcherai, Shendu. Mais tu n'as pas le choix, Charles. Ok, reprends ta vraie forme. Je suis prêt à te bannir aux enfers, exactement comme les autres. Je suis là pour l'insolence. Je vais me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Tu n'es plus en mesure de me résister. C'est parti. Il va réapparaître. Et hop. Récupère de la santé. Un instant. Un instant. Ouch. Dommage. Valmont et Shendu éliminés. Les équipes de la section 13 viennent. Êtes-vous tous là ? Nous sommes venus t'aider contre Shendu. Mais Shendu n'est pas encore là. Sa forme physique importe peu. Attrape ça. Le portail et l'esprit de Shendu, c'est ça qui compte. Oh mon bah, Queen, by means, oh, oh, oh. Épée de feu transperce la forme physique de Valmont pour chasser le démon Shendu, l'esprit du démon Shendu. C'est bon. Il va se diriger vers le portail. Où est-il? Oh! Bon sang, il emporte Jackie dans les enfers. L'enfer des démons. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a fait, Shendu? Les talismans! Les 12 talismans! Non! Où suis-je? Quel est cet endroit? Où sont-ils tous partis? Tu es dans mon monde maintenant, Charles. Tu n'aurais jamais dû arriver jusqu'ici. Mais ça ne fait rien. C'est fini pour toi. Regarde le pouvoir des talismans. Oh oh.
Alors toutes les douze talismans ont une part du pouvoir de Shendu en forme véritable. Et c'est là qu'il apparaît juste devant. Shendu! Ton règne ne sera pas à Shendu. Jackie, souviens-toi que Shendu est immortel. Combat la magie par la magie si tu veux récupérer les talismans. Mon oncle? L'épée, triple buse. L'épée. Assez. Je vais te réduire en cendres, chat. Je reprenne vite l'épée, dépêchons. C'est bon. Juste un instant. Je pense que j'ai eu tous les talismans. Ah ben non, je les ai plus parce qu'en fait il les a tous prises. Je pense que le dernier c'était celui du serpent. Comme j'ai l'épée de feu du Chi, je peux me protéger des flammes. Si je vise l'emblème qui est situé juste derrière la tête de Shendu, je peux vaincre Shendu entièrement. La magie par la magie, comme l'oncle avait mentionné. Aïe 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 aïe. Un plus. Bon sang. Mince. Et de 3, Shendu est éliminé. Sa forme physique parfaite. Il retourne dans le réceptacle où il est emprisonné. Ouf, j'ai cru que j'étais fichu. Le portail qui mène à la monde réel. Le portail va se refermer. Même les 12 talismans l'accompagnent. QG de la section 13, et c'est là que je termine le jeu. Bonne fois pour Jackie, toutes. Tu as réussi, j'en étais sûr. Moi, pas vraiment. Personne ne devra savoir comment notre monde a frôlé la destruction. Je vais mettre les talismans à l'abri, dans notre chambre forte. Les talismans sont très puissants. Nous devons nous assurer qu'ils ne tombent pas encore entre de mauvaises mains. El Toro Fuerte, c'est le meilleur. Contente de te revoir, Jackie. Merci à toi d'être venu à Moose World pour m'aider. Je ne m'attendais pas à te revoir, à vrai dire. Je n'oublie jamais, mes amis.
On pourrait tous faire équipe pour aider le Capitaine Black. Il nous faudrait juste un nom bien cool. Où est mon oncle? Jackie! Hein? Oncle a encore dû faire son thé tout seul. Tu es très feignant. Oncle très déçu. Jackie? Hé! Hey, écoutez-moi tous! J'ai trouvé! On devrait s'appeler Jackie et Hutch. Et c'est là qu'on termine le jeu avec toute la fratrie et tous les amis de Jackie, Chan évidemment. Et autant dire, c'est une bonne chose de faite. Maintenant que Jackie Chan Adventure se termine, je suis extrêmement fier d'avoir fini ce jeu avec grand plaisir pour tous les passionnés de Jackie Chan, ainsi que par nostalgie évidemment. Autant vous dire, et que... c'est pour ma part, évidemment. Jackie Chan, même si tu me connais pas, je te respecte autant que tu as joué dans plusieurs films. Aussi l'anime, Jackie Chan, la série animée, évidemment. Autant vous dire, je souhaite énormément que la suite, pour toi Jackie, sera encore meilleure et que tu vas faire attention à ta santé. Mais bref, à tous, j'espère que ce jeu Jackie Chan Adventure vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager à ceux qui sont fans du rétro gaming, évidemment les fans de Jackie Chan. Et autant vous dire, je souhaite énormément que cette passion et nostalgie du jeu vidéo pour vous tous continue à chacun d'entre vous. Que la passion jeu vidéo et rétro gaming et Jackie Chan continue. C'était Ultimate John Doom pour Jackie Chan Adventure.